En bas? Ouais. Voilà, comme ça je gagne un raccourci. Nickel. Et je peux récupérer un peu ma vie là-bas en repartant derrière. Parce que là vraiment j'ai fait de la merde. J'ai aucun steampunk. Steam, pardon. Steampunk. Donc autant. Ah ouais, mais c'était en haut, je crois. Le truc était en haut là, il me semble, ouais. Je sais pas si je peux y accéder facile. Ça, je suis pas sûr que ce soit une texture pour laquelle je grimpe. Bon, vas-y, je tente de toute façon. Bah ouais, non. Carrément, le mur, il m'a fait nope. Sérieux, je vais crever comme ça? Vraiment? On en est là? Ah non, tu vois, peut-être pas. Bon, nous on doit. Ouais, voilà, c'est ça, ils sont. C'est marrant, mais ils ont le doubleur de Starkiller. Il y a certains PNJ qui sont le doubleur de Starkiller. Merde! Oh, tu déconnes, arrêtez de me tirer. Ah, il me tire en traître, vraiment, hein. Bon, est-ce que je peux récupérer en bas mon XP ou il me l'a jarté? Non, ouais, si, il me l'a jarté. Hop! Merde. C'est qu'on les voit pas beaucoup, hein, je trouve, hein, les petits trucs, moi. Allez! Aïe! Je vais aller trop vite et du coup je fais des trucs de TB. Par contre, il doit y avoir des trucs par là, non? Non, c'est là d'où je viens pour. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça me sert littéralement à rien d'être là.
comme ça. Donc il y a peut-être des trucs à récupérer. Pourquoi je tourne la tête comme ça? Comme si ça allait changer quelque chose que je tourne la tête, les gars. Je regarde quand même s'il y a des trucs à apprendre. Cal, tu as trouvé le tombeau? Oui, ouais. Presque, mais j'ai dû faire un petit détour. Elle mentit si claque comme ça. Hein. Ça a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du mantis. Datomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça? Est-ce que ça va? Je n'ai pas de vision, donc. Oui. Étrange. Je sors d'un village des frères de la nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais. Et puis BD est là. Tout est mystique sur cette planète, c'est incroyable. Ça va le son, le chat ou pas? Ok, ouais ça va, ok super. Gardez là-bas. Oh, il est spécial lui. Non, c'est juste qu'il a une couleur différente, c'est ça hein. Allez venez. Allez! Lance-moi un steam, BD. Ah ok d'accord, on re-rentre par là en fait pour... Ok d'accord. Je vais pouvoir utiliser ma capacité. Sur quoi on va... Tu vois, on sent qu'on est vraiment sur la fin parce qu'en termes de capacité, il y reste pas grand chose. Hein. Ah, ça peut être intéressant. Parce que quand je me fais savater sa grand-mère, voilà, tu vois. Peut-être pas sûr en fait, mais ouais, allez, on valide la performance. Ok, faut continuer par là. Allez! Allez hop! Une trace du vieil homme. Je me demande si les frères de la nuit l'ont. Moi, je pense que c'était une représentation de la force, peut-être. Finissons-en. Tu ne fais rien contre nous. Je vengerai mes frères. Allez. Lance un steam.
C'est sûrement le tombeau. Il y a des trucs cachés pas très loin, hein. Non. Oh! Non! Non! Allez! Maintenant, Béni! Mais il attaque. C'est incroyable, en fait, il s'arrête jamais d'attaquer! Putain, je dois tout recommencer. Chier. Allez! Putain, le jeu, des fois, quand il veut recharger. Je veux bien qu'il fasse des checkpoints tous les 400 mètres. Enfin, pas les 400 mètres, mais en gros, que les checkpoints sont rares. Mais frère, si c'est pour faire bugger le jeu comme ça, je suis désolé. Je tourne sur Xbox Series X. C'est censé fonctionner normal. Bah c'est bon, ça y est. Eh ben, putain, on va croire que j'étais à l'autre bout du monde, quoi. Bon, allez, pourquoi à chaque fois il se bute sur la marche? Ah, caméra, frérot! Tu peux me donner un steam, bébé? Beau travail, bébé. Je vois un intrus. La soie est triste lâche. Bébé, combattez avec moi, mes frères. Barrez-vous de là, bande de sauvages. Il doit y avoir un truc, à mon avis, à droite, s'il y a un gros méchant comme ça, là. Il faut que je sois juste plus... Ouais, il me reste un seul stimp. Incroyable. Il arrive quand même à me foutre une baigne du tête du seigneur après derrière. Oh.
Ah bah voilà, tout ça pour ça au final. Enfin tout ça pour ça. J'espère que ça vaut vraiment le coup hein. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Ok BD, qu'est-ce que c'est? Ok. Par contre j'ai pris cher. Oh super. Mais gars, c'est pas contrôlable, au final tu peux rien faire. C'est incroyable, tu peux rien faire parce que tu te fais pêcher, donc t'es toujours obligé d'être en garde, sauf qu'en fait t'as la vieille merde en bas. Ouais, je pense aussi parce que déjà j'ai battu la grosse bestiole, donc oui, effectivement, j'arrive à la fin. L'idéal là, ce serait d'y arriver quoi. Par contre, il y a un truc que je reproche un peu au jeu, c'est d'être répétitif. Genre, on bat des petits boss, des petits ennemis, ensuite des petits boss. On bat le gros boss, on repasse à une autre planète, tu vois. C'est ma seule petite... C'est mon seul petit bémol pour celui-ci. Après, je pense qu'ils ont peut-être rectifié le tir sur la suite. Allez, je suis en garde! Bah c'est comme tout. Ouais, non, c'est bien sûr, oui. Non, mais c'est peut-être la répétitivité. Juste le truc comme ça, en fait, du... Je sais pas comment expliquer... Je dis, c'est du couloir, c'est du jeu couloir, mais en même temps, tu vois, c'est du... Enfin, oui, c'est pas pertinent ce que je dis. Oh putain, je vais devoir m'en fighter contre l'autre. Non, vas-y, viens, on va passer d'abord par le... L'entrée principale. Ah oui, je comprends. Là, il y a beaucoup de mystères sur ce... En fait, c'est bien parce que vraiment, le premier met en place pas mal de choses. Il met en place pas mal de choses que j'ai... Ouais, je pense aussi, ouais. Le fait que tu l'as fait à 100%, ça doit peut-être faire... Tu vois, moi, je l'ai torché, donc c'est vrai que je suis allé ennemi, boss, haut niveau. Ennemi, boss, haut niveau, tu vois. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai moins cherché... Comme ce que j'aurais dû faire, mais je le ferai pour Jedi Survivor. Mais j'ai moins cherché en fait à approfondir en fait le côté exploration à l'intérieur. Je passerai pas, donc il va falloir que je passe de l'autre côté. Mm-hmm. Quoi que ça puisse être, c'est parti. Ok, Cal, mais ça y est, nous y est. Hein? Ça y... I don't understand, my bro. Sorry. Sorry for the words. Hein? Ok. Eh, ils l'ont trop bien fait en petit quand même. Il a la même tronche mais en plus petit quoi. Ok.
Oh. Oh. Salut, Cal. On fait la revanche plus tard? Ouais, avec plaisir. Parfait. Sale bâtard. Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Putain, les soldats. Salut. De deuxième génération. La République, ouais. Je vous aime, les gars. Oh, la petite musique derrière qui fait frissonner. Vous entendez? Attendez. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. Pas très sympa, les gars. Est-ce qu'on quitte Braca? Possible. Lui fait pas de faux choix. C'est rien. Fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître. Ouais, il faut que je file. Tu ferais mieux d'y aller. Amel, je crois qu'elle est là. Hein. T'as l'air bien pressé. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Ah, oh, comment elle régale là. Ce passage, il régale. Maître Tapal. Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître. Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Ah, on va se battre. Ok. Viens. Ne te déconcentre pas. Ok, maître. Lève un mini. Ok, je lève juste légèrement. Voilà. Tu me diras si c'est ok. Merde! Tout échec. Vie ou mort, lumière ou ténèbres. Ce qui les sépare est ton état d'esprit. Je suis pas sûr de comprendre. Non. Saute contre le mur. Ah d'accord, ok. Ok, sorry. C'est vrai que moi je me fie aux indicateurs, mais faut pas que je fasse ça. Je suis un fucking Jedi, mec. Non. À gauche ou à droite? Non, le mur qui ressort. Ah, d'accord, le mur. Ok, ok, thank you. Merci, mec. Faut pas que je déçoive mon maître. Ok, 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 ok. Non? Sorry, my master. Et cet entraînement durera le temps qu'il faudra. Il finira par apprendre la leçon du jour, d'une façon ou d'une autre. C'est un coup bas, commandant. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. Nous allons commencer. Oh, il est big.
D'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial! Il faut... Mais... Est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non! 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 Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Geng! Le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Exécuter l'ordre 66. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. The force be with you. Allez. Yes, master. Va-t'en. Le voilà. Abattez-le. Non, stop. Ça me rappelle la scène avec Grogu dans Mandalorian. Oh, la musique derrière. Ah, attendez. Je vous monte un petit peu le son, histoire qu'on vive le truc. Voilà. Dapal prend la fuite. Il nous faut des renforts. Oh, la musique, frérot. Oh! Je dois tirer ça pour passer. Et je revis encore toute l'émotion de l'Ordre 66, les gars. Allez, on y croit, les gars. Oh. 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 Non. Yeah. Padawan, ton sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Ok, mais j'ai plus de sabre. Ah, on est en train de vivre l'heure 66, les gars, c'est génial. Que si tu l'actives. Oui, maître. On a coincé ta balle d'entrée. Envoyez des renforts. Jaro, ta balle est de l'autre côté de cette porte. J'ai plus de sable, baby. Mais il passera pas au travers. Ce serait trop long de découper la porte avec son sabre laser. Attendons-la jusqu'à ce qu'il soit encerclé. Et puis on ira le descendre. Eh ouais, nous, on ouvre la porte. Attention. Eh, no pression, mon gars. Vite, Padawan. Nous devons partir. Oui, on y va.
Oh. Ouh. Les commandes de la porte. Oh. Il a pris une bastos. Il a pris une bastos. Non. Eh hey, petite référence à Starkiller, la position. Non. Cal, j'ai surchargé les réacteurs du vaisseau. L'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre n'est pas finie, mon padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. Non, gars, tu peux pas mourir. N'oublie pas. N'accorde ta confiance qu'à la force. Oui, maître. Ah, c'était incroyable. Là, c'était incroyable, là, les gars. Là, on est sur du haut standing, tu vois. Padawan. Oh, il a. Bah oui, il fait un qu'avec la force, pardon. De commencer la leçon. Hein? Oh God! Non! Non, non! Non! Tu resteras faible. Tu es faible. Tu manques de discipline. Mais comment il met de patate, frère? La peur te domine, comme toujours. Tu laisses la peur rompre ton lien avec la force. J'aurais survécu si tu n'avais pas été aussi faible. Oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse. Tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi. Mais c'est quoi cette porte? Oh. C'est insane ce qui se passe, les gars. C'est insane. Plus rien. Ah, y'a plus de force, y'a plus de résidus de... je sais pas, on retente le coup du coup. On va sauvegarder. Je vais aller faire un petit pipi parce que là, c'est le temps de me remettre un peu de mes émotions là. C'était chaud là. C'était très 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 chaud. Ça, c'est ce genre de truc que je kiffe. Vraiment, là, ils ont atteint mon cœur, les gars. Nous remettre des trucs comme ça, de l'ordre 66 et tout ce qui suit derrière. Mais gars, c'est... Ouais, c'est insane, les gars. Ouais, je crois que c'était mes voisins. Waouh, allez, on se relance en espérant pas repartir sur une vision, les gars.
Bah je pense qu'en fait... Merci. Allons... Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Chaud, hein. C'est chaud ce qu'il vient de vivre. C'est très très chaud ce qu'il vient de vivre. Comme prévu. Oh. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous. Et je suis allé me cacher dans cet... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Ouais, donc t'es plus vraiment un Jedi. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé... indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas? Quelque chose de pas très cool en fait. Quelque chose d'horrible. Ouais. D'atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. C'est un taré, lui. Je pourrais t'apprendre à contrôler son pouvoir. Non. Non, mec, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Rejoins ma famille. Hein? Et je pourrais t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Mérine, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchiez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière. Pas génial, ça. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entouré de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Oui. Oui, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. À mon avis, il va y avoir une chier de mort-vivant qui va arriver. Non, sans déconner. Idiote. Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler. Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes. Hein, j'ai plus de sabre. J'ai plus de sabre. Je sors par où? Par là.
Oh, c'est la sauce, c'est la sauce. Hop. Dites à Chris de démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Faut se barrer. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Mince. Et tu les amènes ici? Capitaine, c'est le moment de décoller. Hop, let's go. C'est le moment, il faut se barrer les... Putain, mais comment elle court? Ah! Let's go. Allez, faut courir. On s'en fout de Cal, tu vas tomber, on s'en fiche. Oh, ok, let's go. Sors-nous de là, Gris. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter. Trouver le tombeau. Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver, si j'avais été meilleur et plus courageux, et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé, quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. À moi? J'aime bien la tournure que ça prend là actuellement. Il est... Merde. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais, mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est.
Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Ok, let's go les gars. Ah, t'avais oublié ça ? Tu vois, comme quoi ? C'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui, je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin, venez ici. Du temps des Jedi. Un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace. Non. Ok. Non, non. Ok, je vois par où, à peu près par où passer. Pas sûr, en fait. J'ai jamais vu un blizzard pareil. La tempête, le temple. J'ai comme l'impression que tout est lié. Non, je passerai pas. Il va me falloir un sabre. Un grand Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Pas grand chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Ouais, tu m'étonnes!
Ah, on peut pas regarder la map. C'était vraiment beau avant. Cette chaleur fait du bien. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. Ok, ça fond là-bas. Où est-ce que je peux la tirer celle-ci? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ah, je crois avoir compris. Peut-être moins sûr du coup. Ah si, voilà. 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 Thank you.
Fais-moi voir. Faut que j'aille faire pipi, j'arrive tout de suite, les gars. Putain, y'a tout qui se bloque. Voilà. Ouh, elle doit être congelée, mon gars. Je suis pas trop fan. Je sais pas ce que t'en penses. Chaque voix est différente, jeune fille. Ne cède pas à la colère.
Il y avait peut-être autre chose, non? C'est pas de là où je viens, Yanis? Si, je crois. Hein. Ah, t'as pas suivi. Ah, ok. Mais je crois que c'est de là d'où je viens. Ouais, c'est ça. Fallait que je suis remonté. Ouais, je les ai fait, ça y est. Ouais, je crois que c'est là. De la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber, il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi, et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Je rigole comme si j'avais compris ce qu'il disait. Oh! J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Jiode. Une petite secousse, ça va aller. Espérons que ça tienne. Oh, 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 oh. Ouais. On est d'accord. Non, 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 non. Son appel s'intensifie. Dépêchons. Je pense qu'on arrive à une belle partie là. Je vais aller me chercher un verre d'eau, j'arrive.
Hop. Par contre, on a gagné zéro compétence, les gars. Ouais, je m'en doutais. Je suis trop con. Ah ouais, peut-être tirant là-dessus, non? J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. Non. Ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Merci, BD. Mais j'ai pas de sabre, je suis trop con. J'ai pas de sabre, j'avais oublié que j'avais pas de sabre. Pirate BD. BD, ici. Pas du tout. Non, il veut pas pirater. En avant, BD. Trop court. Je m'en doutais. Le voilà. Ah, merci pour ton follow. Salut, comment tu vas? Ça va, ça va. Écoute, on arrive vers la fin. Tranquillement. Sache que tu joues au meilleur jeu du monde. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a le suivant qui arrive. C'est bon, c'est tout bon pour moi. Là, je viens de vivre des trucs, mec. Je viens de vivre des trucs. Même moi, j'ai dû. Là, on rejoint le temple de Jedi, mais c'est vrai, là, quand ils sont revenus à la première guerre et tout, ça a été juste magistral. Ah, j'ai pas d'épée, je peux rien faire. Mais là, tu chopes le cristal. Ouais, c'est ça, en fait, je refais mon sabre. Je refais mon sabre. Donc vraiment, n'hésite pas à regarder mes replays. Hein. Après, je suis pas un gros tryharder, mais du coup, j'ai un peu rush le premier pour pouvoir refaire le deuxième. Faire le deuxième justement.
c'est par ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. Non, 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 pas BD. On va pas laisser BD dans un coin. Oh. Pourquoi? Ouais. Les cinématiques, elles sont incroyables, les gars. C'est un truc de fou. Oh. Tu sais qu'au début, ouais, elles sont trop bien faites. Au début, j'étais pas trop fan de Cal. Et en vrai, plus je trouve que le temps avance, et plus je le trouve cool, en fait. Parce que vraiment, on est en train de... On le voit évoluer. Et ça, c'est juste génial. Et puis... Roxite. T'es Roxite ? Ouais. C'est pas génial pour la commune. Oh, la déception. La D. Ah, choisis bien la couleur. Dans un putain de dilemme là, les gars. C'est pas fini, Cal. T'inquiète, mon bébou. L'échec n'est pas la fin, mon ami. Quoi? Peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. C'est clair. Prof de musique, tu sais, celui-là qui est un peu perché. Il manquerait, tu sais, il manque vraiment que la petite queue à l'arrière, tu vois. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Et nous, Cordova, ouais. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras
pour me remplacer. C'est triste ça. Tous tes souvenirs. Tu as failli les perdre. Ouais, moi aussi je crois en toi, BD. Ça pique calvitie de prof d'histoire, là. Et il enseigne l'histoire-géographie, mon gars. Il s'appelle monsieur... je sais pas, mais un beau monsieur. Ouh, le prof d'art plastique. Un prof d'art plastique aussi. Bon, allez, là, on déconne pas. On est sur un vrai bail, là. It's time! Oh, gars. Oh, non. Ouais. Ah, le violet aussi, il me tente, gars. C'est... Oh. Wouah. Touche pas mon violet, je sais. Ah, oh, putain, gars. Ah, je sais pas. Je sais pas, je suis perdu. J'ai pas envie. Ça, c'est quelle couleur, ça? C'est... Ah, vous battez pas, les gars. C'est... Vous battez pas dans le chat. Ah, je peux le rechanger après? Ok. Bon, ça va. Mais je sais toujours pas quoi choisir. C'est affreux. Vas-y, je vais prendre celle-ci. J'ai déjà tourné deux ou trois fois dessus. La force. Allez. Incroyable ce que nous vivons, les gars. Aïe aïe aïe. Ça c'est sexy, les gars. Ça c'est sexy. Incroyable. Incroyable. Ok. Aïe 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 aïe. Et c'est là que tu peux le scinder. Ouais, du coup tu le scindes comme ça, ouais. Du coup, je peux le remodifier derrière? Parce que du coup, j'ai accès à toutes les couleurs. Ah ouais, c'est là. C'est... Ok, d'accord. C'est là où on a effectivement toutes les couleurs. Nice. Ouh.
Attention, Padawan. C'est le cristal Kyber qui choisit son Jedi, pas l'inverse. De toute façon, t'as plus rien à une compétence. Oh yes! La garde. Mais les cheveux, c'est incroyable comme ils bougent. Oh là là. Wow, 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 wow. Allez, faut être plus concentré. Oh! Il va forcément se relâcher! Il prend la fuite! Mais c'est parti à l'un de l'autre!
Waouh, c'était chaud là. Ah non, je vais me faire péter la gueule, réellement. Faut que je t'applaude. Mais non, pas déconner. Bon, c'est pas terrible. Bah ouais, parce qu'en fait je voulais taper l'autre derrière. L'excitation a fait que... Non, j'ai pas la capacité. On peut encore l'attraper. Tu pourras pas te sauver. Ce sera une victoire facile. Attention, il se place. T'approches pas de moi là. T'es le dernier. Wouh. Là j'ai déjà fait mieux. Voilà, c'est bon. Attaque ? Merde, il m'a chopé ! Hein ? Allez, la bagarre! Aïe, ah, il veut pas de moi dans la bagarre, les gars. Ah oh! Vraiment? Bien joué, BD! Allez, bagarre! Du coup, je l'ai, effectivement. Allez! Pirater la porte. Serré, faut pas qu'on traîne ici. Ils ont envahi Illum. Est-ce que ça va? Non, je suis repéré. Et ce n'est pas tout. Ils extraient des cristaux Kyber.
Capitaine, prépare-toi au décollage. J'ai jamais douté de toi. Duraplast. Oh, salut les gars. Qu'est-ce qu'il est parti voir? Oh, oh shit. Ah mais non, c'est pas là où on veut aller, nous on veut se barrer. Et hop. bah du coup je pense que je suis un peu niqué. Salut les gars. Oh! C'est là-haut qui fait du mal. Oh! Ok, viens là. Ah, ok. On va aller directement le voir. Allez! Je prends la tête de la poursuite. Le Jedi est blessé. T'as raison d'avoir peur. Allez, viens. Je me suis reculé, frérot. Laissez-moi tranquille. J'ai rien à voir avec ça, moi. Oh, allez, j'ai rien de tirer dessus. Pas déconner. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. On aura bientôt plus de couverture. Et si vous masquez? Le sabre, on peut le rentrer, non?
J'ai décodé leur cryptage. Je brouille leur transmission, mais ils ne mettront pas longtemps à les rétablir. Ça devrait nous faire gagner du temps. Merci. Il y a des Stormtroopers partout. Illum était notre planète, Cal. Fais-leur passer le message. Je suis à que dalle de points de compétence là du deuxième. Oh la vache. C'est quoi cette musique? Oh la vache. Je crois qu'on va rentrer dans une sauce là, les gars. Pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. Oh. Aïe. C'était évident. Et là, il va me mettre un chargement de archi longtemps. Non, c'est bon. Bon. Le brouillard il s'est levé hein, je sais pas si on a notifié ça. Bon là faut que... Merde, pourquoi j'appuie derrière? Yes, ça aide. Ah
Allez, me balance pas des trucs en même temps, je suis en train... Ah ouais, c'est qu'il y en a deux. Bon, ciao Bambino. J'aime la force, mais... Oh, allez. C'est un défi, hein. Mais c'est incroyable, j'ai relancé mon pouvoir. Allez. Putain, je l'ai envoyé. Voilà, 1 moins 1. Ça a été dur. Allez, on continue. Mantis a besoin de nous. Tu as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Oh, dis pas ça. BD est le seul à être fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous. Ok. Je crois que j'ai chopé une petite plante, je suis pas sûr. Non. Non, j'ai pas chopé. Autant pour moi. Petite sauvegarde. Hein. Et je pense qu'on on va s'arrêter là. Hein. C'est bien. C'est bien, je trouve qu'on a bien avancé ce soir. Le niveau de santé, or. Plutôt ça, hein. On les a poussés comme des... Bon, voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a accompli ce soir. J'ai beaucoup apprécié la session de ce soir. J'ai apprécié dans le fait que... déjà, l'ordre 66... en fait, ça a été riche. On a vu pas mal de choses et j'ai trouvé ça cool, en tout cas. J'ai adoré ce soir. J'ai hâte de retourner dimanche, donc la prochaine et peut-être la dernière. Bah ouais, c'est dimanche. Et dimanche, en plus, ça veut dire que je vais commencer plus tôt. Et qui veut dire commencer plus tôt, donc il y a des grandes chances que je vais terminer le jeu.
Et j'en suis content. Je suis content d'avoir pouvu. En plus, j'ai mis les épisodes sur YouTube, donc je suis content. Je les ai raccourcis sur les trucs parce que bah, les intros, etc. Tu vois, les gens n'ont pas à se les taper. Voilà. En tout cas, c'était cool. Je suis plutôt ravi et content de ce qu'on a fait et de ce qu'on a accompli ce soir. Sur ce, merci Ménalf et à tous ceux qui se sont abonnés au passage. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, bisous.